Bonjour Cécile Cousy, merci de nous accorder quelques minutes par le biais de la visioconférence. Alors, je voudrais que tu te présentes en quelques mots. Tu es coach, que tu nous dises un mot sur ton activité. Oui, donc j'ai fondé une entreprise de coaching en 2015 et je me suis spécialisée dans l'accompagnement des femmes leaders, des femmes ambitieuses pour les aider à être rayonnantes. Ouais, donc tu as toute ta place évidemment dans l'aventure d'Alaël que tu as rejoint. Un mot peut-être sur ta vision de l'entrepreneuriat au féminin? Alors, je trouve que l'entrepreneuriat au féminin, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur parce que les femmes ont tellement de talent, ont tellement de potentiel et souvent elles se brident, elles n'osent pas et donc c'est quelque chose que j'ai envie d'encourager et d'aider à un maximum parce qu'il y a un potentiel encore énorme à mon avis à déployer dans l'entrepreneuriat au féminin. Tu es toi-même entrepreneur d'ailleurs, à côté de ton activité de coaching. Exactement, effectivement. Je suis également passionnée par l'éducation et donc j'ai été amenée à fonder une école alternative et actuellement je suis sur la création d'un collège. Toutes ces compétences, évidemment, avaient, je l'ai dit tout à l'heure, toute leur place dans notre cursus de formation. Tu as participé à un des ateliers sur la confiance en soi avec nos candidates. Alors voilà, on voulait savoir quel était ton ressenti à l'issue de cet atelier et à l'issue de cette aventure à laquelle tu as contribué. Bah déjà, ça a été un grand plaisir pour moi parce que c'est vrai que j'ai fait énormément de formations. C'est quelque chose que j'ai énormément utilisé sur moi-même. Comment booster la confiance, comment développer sa présence. Et ça répond tellement à un besoin des femmes entrepreneurs qui sont au tout début de leur projet, de vraiment consolider quelque chose de solide, d'être bien ancrée pour pouvoir avancer et prendre un élan. Et vraiment, après, une fois que la dynamique est lancée, on sait que ça va marcher. Et donc, c'était une expérience très belle. J'ai eu un retour très positif des participantes. Et pour moi, ça me met juste du baume au cœur quand je les vois repartir avec le sourire, avec cet élan de dynamisme, de confiance. C'est vraiment une grande joie. Merci beaucoup. Ben moi, ça met beaucoup de baume au cœur de t'entendre, tout comme toujours d'ailleurs. Et je te remercie vraiment. On te remercie tous d'avoir participé à cette aventure. À très bientôt. Avec plaisir, merci.